va à la ferme du Père Noël. On va visiter une ferme de huskies et de rennes. Je pense qu'on attend. Si, on l'entend. Oh, je m'enfonce là. J'ai tombé dans un trou. Sirène, mais il est attaché, ça fait de la peine en vrai. Oui aussi. J'espère que les autres ils sont pas attachés. Tiens, mange les feuilles que je te donne. Oh, il mange. Wouhou. Oula, mais il va me taper avec son bois là. Oula, mais qu'est-ce qu'il... Il a des coups de langue en fait. Par contre, son bois, on dirait il saigne, c'est horrible. Enfin, genre, du sang séché, il a dû se battre, non? Il a dû se battre pour le truc. Il est gros. Par contre, ça, apparemment, pendant qu'on faisait le barbecue, il disait que, genre, ils sont pas forcément. Ils sont pas libres totalement, genre, aucun renne n'est libre, genre, ils sont semi-libres. C'est vache. Comme des vaches, en vrai. Oula, j'ai lu. Enfin, bref, c'est toujours à quelqu'un un renne, genre, voilà. Ouais. Et c'est super cher, apparemment, genre, un bébé, je crois, que c'est plus de 100 euros. Ah mais tu penses que c'est des feuilles de quoi? Tiens, regarde. Mais lui il veut pas dans la main. Tiens, regarde, j'ai des feuilles. Lui il a peur. Il veut pas. Il se promène. Un petit bébé quoi. Ouais. T'as vu leur mini bois? Ouais, ils ont des mini bois. Tout, tout fin. Alors, non. On est dans la luge. Il s'appelle Tampa. Tampa. Oui, il fait la sieste. Ouais. Du coup, on va conduire et après, on aura notre permis et tout. Ouais, on pourra conduire à l'international après. Lui, ça s'appelle Tampa. Bon, du coup, je conduis. Ah ouais, c'est vraiment comme un cheval, c'est trop drôle. On va parler un petit peu des rennes. Il faut savoir que là nous sommes dans une ferme de rennes et ils sont, je sais pas en fait. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, ils sont pas vraiment libres. Genre il n'y a aucun renne qui est libre. Ils sont forcément à quelqu'un. Et du coup bah ici ils mangent la viande de renne. On a goûté ça dans un autre vlog. La viande de renne c'est genre 40 euros le kilo. C'est quand même assez cher. Oh, il y a des petits rennes là. En fait ils sont ouais là. Enfin, après ça peut. Des fois ça peut faire de la peine et tout. Ouais, moi ça m'a fait. Mais là encore, ils sont pas attachés à des troncs d'arbres. Genre, ils ont juste des cordes et ils se promènent avec en fait. Mais ils sont posés dans la neige. T'imagines la fourrure? Genre, elle doit être super épaisse pour. Ah, on est dessus, en fait. Ouais, c'est vrai, on est sur de la fourrure. Ça, c'est très bizarre. C'est vraiment étrange. Mais lui, il saigne, je sais pas c'est quoi, c'est horrible. Mais tu vois que les bois, ça se perd tellement facilement en vrai. Ouais, je crois que c'est fin. Genre, ils se battent et fin quoi. Lui, il s'appelle Topi et l'autre, il s'appelle. Non. Ou Kaki ou Rari, je sais pas quoi. Ceux qui étaient là, ils sont remis là-bas en liberté. Et ils se promènent dans la forêt. Là, on va à l'intérieur de cette petite maison. Ils vont nous expliquer plein de petites choses sur les rennes. On a eu petit jus au baie. Et on... C'est le même truc qu'on avait goûté. Ouais, c'est le même truc qu'on avait bu au barbecue. Il y a un petit chauffe. C'est quoi une cheminée ou une ouais, ouais. Et ils vont nous expliquer des petits trucs sur les rennes. Après 5 jours, on a réussi à en trouver. Ils nous en ont donné. C'est roulé à la cannelle. Apparemment, c'est traditionnel, je crois. Genre, c'est ce qu'ils mangent ici. Bon, on va goûter. Moi, j'aime bien. C'est roulé à la cannelle, quoi. C'est bon. C'est une belle idée. On a notre permis de conduire de Rennes. On va écrire nos noms après dessus. Petit permis de conduire, valable 5 ans. C'est pas mal. Wow. On fait des drifts et tout. Un petit toutou.
lol. Allons dépenser notre argent dans des souvenirs. Non, on va faire mal. Faut faire le tour. On a acheté nos trucs et du coup on a fait des lettres pour qu'ils nous envoient une lettre à Noël. Genre on a juste mis nos noms et nos adresses dessus. C'est toutes les lettres qu'ils reçoivent par an, c'est fou. C'est là le bureau de poste, genre. Il y a des gens qui ont envoyé depuis la Martinique, depuis Porto Rico. Bien sûr, il y en a d'autres. Costa Rica. Ouais, Costa Rica, c'est un peu loin de la maison. Il n'y a pas Guadeloupe. Ah, Antigua et Barbuda. C'est fou, hein, il est 15h et il fait une nuit noire. Là, on va manger, on a fait une sieste parce que en fait ici je trouve que tu peux trop dormir facilement. Non, c'est le froid des... mais c'est le froid, mais il fait nuit aussi tout le temps, ça donne envie de dormir. Non, c'est le froid, bah, moi c'est, le c'est ça. Oula, on va manger chinois, japonais, yes. Je sais pas. En fait je crois que c'est un mix des deux. Voilà. Non, c'est là. Très bon la bouffe. Très très bon. Et le gars était trop gentil. Très très gentil. Très serviable. Très très. Maintenant on va leur mettre un 5 sur 5. Très, très et pour en revenir à tout à l'heure l'activité, en vrai c'était cool avec les rennes et les huskies. Mais je sais pas, ça fait un peu. Moi ça m'a fait un peu de peine quand même. Ok. J'ai écrit un message. Oh, je vais checker. Non. Les rennes encore, ils étaient quand même assez libres on va dire, mais les petits chiens. Pas quoi en penser en fait. On vient de rentrer, c'est la fin du vlog avec ton petit bonnet. De touristes. Dès la fin du vlog, des vlogs en Laponie d'ailleurs. Voilà, c'était le dernier. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et oula pour voir les prochains vlogs en France cette fois-ci. Voilà, bisous.